Coucou, bonjour les poissons, voilà, c'est votre tour. On va commencer votre guidance astrologique. Je voulais en profiter pour remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue dans mon monde. Je voulais remercier les abonnés fidèles qui sont toujours à me laisser des petits mots que j'adore lire, les petits cœurs, des petites images mignonnes comme tout. Je voulais aussi rajouter ce détail qui, je lis encore des personnes qui disent, mais ça me parle pas votre truc, je peux pas faire des messages généraux, c'est pas possible. Donc, quand vous avez une guidance astrologique qui ne vous parle pas, allez voir au niveau de votre ascendant, signe lunaire, ce qui vibre plus avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc, merci à mes abonnés qui ont compris. Bon, je ne fais pas ça pour taquiner les autres. Hein. Merci parce que disent, bon, c'est pas grave, ça parle pas tout, mais je vais aller voir. Voilà. Mais avoir des phrases qui disent, ouais, vous dites n'importe quoi, c'est de la connerie, ouais. Ça fait pas plaisir. Je fais ça gratuitement. Je donne de mon temps, je donne de mon énergie. C'est pour vous aider. Hein. C'est avec l'aide des autres. Hein. Moi, je suis qu'un outil. Donc, prenez ça comme un cadeau. Si ça ne vous parle pas, allez voir d'autres vidéos avec vos signes lunaires et votre ascendant. Comme ça, ben, vous aurez signe ascendant pour avoir les réponses. Donc là, je suis avec les poissons. Je vais vous donner votre guidance du mois d'octobre. Pour ceux que cela intéresse, oui, je fais des guidances personnalisées. Vous avez mes coordonnées sous les vidéos. Je fais contact défunt, soins énergétiques et donc les guidances. Et tirage de vie antérieure. Enfin, vous pouvez avoir tous les renseignements sur ma page Facebook. Même si vous n'êtes pas abonné sur Facebook, même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez y accéder juste en tapant Nacera Elal. Non, Nacera Elal, c'est ma page personnelle. Nacera Médium Énergéticienne. Et là, vous pouvez avoir mes grilles tarifaires et voir même les avis des gens. Vous verrez, ça fait un moment que je fais déjà ça. Je suis, on va dire, ça va, je suis reconnue, on va dire, dans mon domaine. Donc, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a une vidéo de moi quand je suis passée à la télé en mai dernier. Hein, j'ai été interviewée par une émission de France 3. Et je suis passée à la radio belge l'année dernière. Et tout est sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, vous voyez que non, je ne suis pas une petite débutante. J'apprends encore, par contre. Et on apprend tous les jours. Allez, j'arrête de blablabla. Et on y va. Guidance pour les poissons. Octobre 2019, s'il vous plaît. Donc j'ai pris cet oracle. Je vous le montre au cas où ça vous intéresse. L'oracle des fées. J'avais envie de changer. Pour comme vous êtes le dernier signe, après ça y est, repos pour moi. Enfin, repos. Demain, ça sera les consultations, mais au moins, j'aurais tenu ma promesse. S'il vous plaît, pour les poissons, octobre 2019. C'est parti. Ah, c'est beau déjà. Je recouvre tout de suite. D'accord. Et encore une extension. D'accord. Je referai quand même peut-être mes cartes. Parce que là, c'est la première fois que je commence dès le début avec ce jeu-là. Et je pense que j'aurais dû le faire en deuxième. Mais c'est pas grave. J'accepte. J'ai suivi mon intuition. Alors, il y a la carte du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, pour certains, vous êtes en pleine transformation, votre vie change. Vous avez demandé à ce que qu'on vous réalise vos souhaits. Donc, peut-être qu'au printemps, je dirais même sûrement, parce qu'après, il y a une histoire de lâcher prise. Hein, il ne faut pas créer des blocages en étant dans l'attente et d'essayer de provoquer les choses. Donc, printemps prochain, vos vœux seront... Vous voyez, deux cartes qui disent « vos vœux seront exaucés ». Vous voyez la couronne de fleurs qui fait penser encore à des fleurs du printemps. Et tout va bien. Ne soyez pas dans la panique. Apparemment, pour les poissons, peut-être qu'il y a du chamboulement dans votre vie. Et vous dites, ouais, mais alors, comment ça va se passer maintenant? Je fais quoi? Je vais où? Je fais comment? Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va se mettre en place pour vous. Alors, lâchez prise. Vous voyez? Ne provoquez pas les choses. Que vous mettiez en avant certaines choses pour la réalisation de vos projets, c'est une chose. Mais après, restez pas à bousculer les choses. Ouais, mais il s'en est où? Ouais, mais quoi? Mais là, après, vous créez un manque en vous. Vous créez un vide. Et du coup, ce vide revient vers vous. L'univers vous le renvoie. Au lieu de vous envoyer ce que vous devez avoir. Tout va bien. Vos vœux seront exaucés. Au printemps prochain, ça devrait être en place pour vous. Alors après, je ne sais pas de quoi on parle. Bon, je vais compléter après avec d'autres. Communiquez avec la nature.
sortez. Carte numéro 10, je dirais le 1, nouveau départ, nouveau commencement. Réapprenez à prendre soin de vous, sortez de temps en temps, ravivez un petit peu ces souvenirs d'enfant, d'aller jouer dans les bois, de jouer avec la nature, d'écouter les oiseaux, d'écouter la vie. Donc revenez au moment présent, comme ça vous serez plus dans le stress, dans l'inquiétude, et du coup le lâcher prise se fera plus facilement. Et pour certains, on parle de mariage. Alors, pour d'autres, la réponse à votre question implique votre fille. C'est vrai que c'est un jeu de cartes particulier. Donc, je vais faire celui-là et après je ferai l'autre hein, pour avoir timing parfait. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, tout est dans l'ordre des choses. Arrêtez de bousculer les choses. Lâchez prise. Vous occupez-vous de vous pour l'instant et laissez l'univers s'occuper du reste. Faites de l'exercice. Bah, faites que des choses qui vous font du bien. Occupez-vous de vous. Tiens, ding ding, le téléphone a confirmé. Occupez-vous de vous et l'univers s'occupera du reste. Vous avez déjà entamé les procédures, vous avez entamé des changements, vous avez émis l'intention de changer votre vie, d'aller vers autre chose. Maintenant, l'univers, lui, va aller dans votre sens. Ok ? Alors, donc, vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et donc, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc vous verrez bien, peut-être que pour certains il y a une union, une rencontre. Donc bonheur conjugal, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre. Et du coup au niveau énergétique, voilà, ça y est, deux personnes qui devaient se rencontrer, contrat karmique, ça y est, pour eux, bah, la fête de l'autre côté, ok. Et vous vous sentez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, ding ding ding, vous voyez, on confirme. Alors, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, occupez-vous de vous. Moi, je ne vais pas les lire. Je vais prendre les cartes habituelles et je verrai si ça suit ce qu'on vient d'avoir dans ce jeu. Il est où ? Il est là. Donc, je vais prendre cela. J'ai voulu faire autrement. Peut-être avais-je raison, peut-être avais-je tort. Alors, les poissons, octobre 2019, s'il vous plaît. Octobre 2019 pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les poissons ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qu'il va y avoir ? Je devrais l'utiliser quand même plus souvent parce qu'il y a plus de prédictions quand même dans le tirage des fées, là. Je pense à l'utiliser plus souvent, je l'oublie ce jeu. Donc, n'hésitez pas à vous l'offrir, hein, il peut vous aider aussi. Étalez-vous. Allez, poisson octobre 2019, s'il vous plaît. Oh, j'ai mal à la nuque. Bon, vous êtes les derniers, donc je vais pouvoir me reposer après. Hop, c'est vrai que j'ai tout fait d'un coup et là je suis épuisée. Alors, ouais, y a bien du changement. Hein. Je fais les extensions tout de suite pour vous dire. Alors que je me rappelle de ce qu'on a eu là, parce que ma petite tête mémoire de poisson rouge. Alors, je vais en mettre une quatrième. Allez, soyons fous. Alors, si j'essaye de comprendre, hop, je remets bien mes yeux en face des trous. Donc, pour vous aussi, ça a été déséquilibré depuis un moment dans votre vie. Et là, Michael, c'est lui qui a fait un petit peu de bazar. Hein. Il y a eu du bazar dans votre vie. Mais c'est parce qu'il fallait bien rééquilibrer tout ça et que vous soyez enfin sur votre voie karmique, sur votre chemin d'âme. Ok ? Donc du coup, bah, ce que vous avez connu, ça vous permet de guérir, d'avancer, d'évoluer. Donc, et de permettre à vos valeurs, vos principes, votre vision de la vie à ressurgir. Ou peut-être une rentrée d'argent inattendue. Peut-être pour certains, ça peut être une rentrée d'argent inattendue ou attendue, fin de contrat, je ne sais pas. Donc, mais pour moi, cette carte, c'est surtout une ouverture vers les valeurs, vers la spiritualité, vers enfin se poser les bonnes questions et s'intéresser à l'essentiel dans la vie. Pour moi, ça serait ça. Donc, pour beaucoup, vous allez vous intéresser à de nouveaux domaines, vous allez tomber sur des personnes qui vont bien vous guider, bien vous aiguiller, bien vous conseiller.
vous partez sur vraiment quelque chose de complètement nouveau. Vos vœux vont se réaliser, vous voyez, c'est votre contrat d'âme. Peut-être vous aviez envie d'un nouveau projet, d'un nouveau métier, d'une nouvelle histoire, nouvelle expérience avec un monsieur, je sais pas. Ça peut être aussi un nouvel amoureux, hein. C'est un homme plein de sagesse, plein d'attention, quelqu'un qui est là pour vous écouter. Peut-être que... à mes souhaits. Alors, je continue. C'est intéressant. En tout cas, pour vous, une guérison profonde s'opère. Vous avez décidé de, vous aussi comme les autres, hein, de libérer ce qui ne vous convenait plus, de vous débarrasser de ce qui n'allait plus, de même faire des changements dans la maison, les meubles, je sais. Enfin, c'est une façon de dire, comme si vous avez libéré l'ancien, les anciennes relations, les anciennes expériences qui n'allaient plus, et bien vous avez fait du grand changement dans votre vie. Et ça a porté ses fruits parce que c'est la transformation. Ah, la carte, elle est encore vivante, elle bouge. Ah, bébête, pas bouger. Donc, c'est vous qui avez changé la donne. De par les intentions que vous avez émises, vous avez apporté un nouveau souffle à votre vie. Donc, il peut y avoir... Je m'excuse, hein. Un nouveau souffle à votre vie. Donc, peut-être un déménagement. Peut-être un changement de travail, un nouveau poste qui se profile. Peut-être un vrai voyage. Vous partez peut-être pour un autre pays, une nouvelle ville. Bah mince, je suis désolée. Hein, j'aurais dû le couper, mais je n'ai pas pensé avant. Je m'étais accordé une pause avant, j'ai répondu à des messages et j'ai oublié de le couper. Donc, je vous dis, une nouvelle vie arrive pour vous. Nouvelle vie qui... Alors, attendez. La Sarah, concentre-toi. Donc, vous libérez l'ancien. Vous avez avec vous toutes ces nouvelles valeurs, tous ces nouveaux principes, toute cette nouvelle vision de la vie, parce que Michael est venu bousculer vos habitudes, parce que vous n'étiez pas au bon endroit, vous n'étiez pas avec les bonnes expériences, avec les bonnes personnes. Et là, comme vous avez hésité, l'univers a basculé les choses, a bousculé les choses pour vous emmener vers autre chose et que vous voyez enfin ce que vous méritez vraiment, ce que vous devez avoir, ce que... Ces rêves qui doivent s'exaucer, ils arrivent vers vous, vous voyez? Donc, vous vouliez déménager? Ça va arriver. Vous vouliez une nouvelle vie, un nouvel emploi? Ça va arriver. Donc là, on vous parle de ce nouveau voyage, ce voyage sur Terre que vous devez prendre avec la joie, parce que vous allez vivre du nouveau. Alors, guérison. Vous avez décidé d'exprimer votre vraie valeur, votre vraie vision de la vie. Vous montrez votre vrai visage. Donc, depuis quelque temps, vous êtes en train d'exprimer à vous-même et aux autres vos véritables attentes envers la vie et envers les autres. Vous avez décidé qu'on vous aime pour vous-même. Donc, maintenant, vous avez enlevé le masque du faux-semblant avec les anciennes expériences et vous montrez qui vous êtes réellement. Après, il y a aussi, avec cette carte, la connexion avec l'autre monde. Peut-être pour certains. Connexion avec l'autre monde, possible. Alors, donc, ne restez pas dans votre coin, ne restez pas enfermé dans votre coin. Il y a d'autres options qui vous attendent. Vous pouvez voyager dans le monde, vous pouvez découvrir plein de choses de par Internet, de par Google, de par YouTube, de par Facebook, de par tous les réseaux que vous avez. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, expérimenter de nouvelles choses, découvrir qui vous êtes à travers de nouvelles expériences. Parce que des fois, avec tout ce qu'on a vécu avant, on a un petit peu oublié qui on est réellement. Et là, on vous propose d'aller de l'avant, d'aller découvrir la vie, d'aller découvrir le monde et d'aller voir ce que vous aimez vraiment, à quoi vous aspirez réellement dans votre vie. Voilà. Donc, on voit bien, hein, la victoire est là. Il y a encore la victoire, vous voyez. Tout à l'heure, c'était réussite, tout arrive, vos vœux vont être exaucés. Vous voyez, encore la victoire. Donc, il y a bien quelque chose de merveilleux qui s'en vient pour vous. On vous nettoie votre chakra sacré pour enfin avoir les plaisirs de la vie. Sensualité, sexualité, explosion de joie, de bonheur. Tout arrive vers vous. Alors, là, cette carte, elle crotte. Les demandes de rendez-vous, je m'en occuperai demain, je suis trop fatiguée là. Je suis désolée, hein, alors, je ne sais pas qui appelle, hein, je ne crois pas que ce soit toi derrière ta caméra, derrière ton... Je suis vraiment fatiguée derrière ta vidéo.
Mais ça ne veut pas dire que je vous envoie bouler. Hein. Vous avez bien vu, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Mais là, je suis trop fatiguée. Là, je vais bientôt récupérer les deux douces à l'école. Donc là, ce soir, c'est moi d'abord. Et demain, je répondrai à tous vos messages. Promis, j'essaye. Hein, là, il y a de l'attente. Hein. Il y a un mois d'attente pour les rendez-vous. Donc, il va falloir patienter pour ceux qui voudront avoir un rendez-vous. Alors là, on vous dit, cet hiver, patientez. Vous vous rappelez la carte de tout à l'heure, elle disait, au printemps, à l'éclosion des fleurs, vous aurez des réponses. Et là, on vous dit, cet hiver, soyez patient. Laissez venir les choses. Mais effectivement, il y a autre chose qui vous attend. Une chose à laquelle vous n'avez même pas pensé, vous n'avez même pas envisagé, parce que ce n'est pas encore dans votre habitude de fonctionner comme ça. Et pourtant, on vous dit, vos rêves vont se réaliser. D'autres options s'offrent à vous. Soyez patient, soyez détendu. Pensez à vivre dans le moment présent, à lâcher prise et laisser les venir ces choses, ces expériences, ces cadeaux de l'univers. Pour l'instant, prenez du temps pour vous. Voyez, moi là, je suis contente d'avoir des demandes de rendez-vous, c'est vrai, c'est génial, c'est formidable. Mais pourtant, je vais me donner la priorité à moi. Là, dès que je termine avec vous, je vais chercher mes petites cacahuètes, on va passer une petite soirée toute délicieuse en famille, mais c'est d'abord moi, un bain qui va me relaxer, parce que j'ai très mal à la nuque d'être restée à regarder les cartes comme ça depuis ce matin. Mais c'est moi d'abord. Et bien vous, c'est pareil. On vous demande de prendre soin de vous. Sortez vous divertir. Faites du sport. Allez vous promener dans la nature. Mais recentrez-vous pour vous occuper de vous. Vous bichonner. Et pendant ce temps-là, c'est un petit peu comme, je l'ai déjà dit dans des vidéos, votre commande au restaurant. Quand vous faites votre commande dans le restaurant, vous avez faim, vous avez hâte de vous régaler et tout. Donc vous faites la commande. Bon, bah moi, vous mettez ça, s'il vous plaît, puis ça, puis ça, puis ça. Mais après, vous les laissez partir, vous n'allez pas les suivre en cuisine et aller voir ce qu'ils font et dire « Ouais, ma commande, elle arrive ou pas ?» Non. Vous continuez à discuter avec vos amis, vous pensez à autre chose, vous n'essayez pas à penser à votre ventre vide hein, qui réclame un miam miam, et vous venez ici dans le moment présent. Vous rigolez avec vos amis, vous passez un moment délicieux, et pendant ce temps-là, l'univers en arrière-cuisine s'occupe de vos rêves, s'occupe de vos projets. Vous avez émis l'intention de changer votre vie. Vous avez mis en place des choses pour commencer à mettre le déménagement, le changement de carrière, un mariage qui va se mettre en place, un bébé qui doit arriver. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que vous rêvez d'avoir, mais on dit, laisse venir, nous on s'en occupe. Comme dit Jamel Debbouze, tout s'occupe de rien, je s'occupe de tout. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est couronné de succès. Je vais ranger les cartes et... Ça fait 17 minutes juste pour voir. Je vais reprendre encore 3 cartes. Et après, je vous fais le tarot des archanges. Et après, je me repose. On doit apprendre à s'aimer. On doit apprendre à se bichonner. On n'a pas appris ça dans cette société. C'est tout nouveau. On aime bien s'occuper des autres, nos enfants, notre chérie, les êtres qu'on aime. On fait tout pour eux, pour qu'ils soient coucounés et tout ça. Sauf que là, on vous demande de vous donner la priorité à vous. C'est tout nouveau, j'ai pas l'habitude. Je peux pas, je suis pas égoïste, moi. Non, c'est pas être égoïste. C'est réapprendre à s'aimer. C'est réapprendre à se donner la priorité, parce que quand on se donne la priorité, on prend tellement soin de soi qu'après on se sent bien, on est encore plus lumineux, on est encore plus en forme, et du coup quand on revient vers les autres, on est encore plus apte à apporter de la joie, du bonheur et tout ça. Alors que quand on se met en dernier, on se néglige, on est fatigué, on n'est pas bien, on peut être frustré, on peut être chonchon. Du coup, quelle énergie vous apportez à ceux que vous voulez aider après? Ok? Alors, pour les poissons, octobre 2019, on continue s'il vous plaît nos amis. Pour les poissons s'il vous plaît. Hop, hop, et hop. Ouais, bah écoutez, ça continue. Je recouvre juste parce qu'il y a une carte que j'aime pas, mais je pense que c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même. Ouais, bah, on ressort les mêmes cartes, hein, pratiquement. Donc il y a bien un nouveau départ pour vous. Il y a bien une nouvelle vie. Il y a même encore ou un bébé, ou votre renaissance. Mais il y a de la créativité. Il y a, pour beaucoup, vous partez dans des nouveaux domaines. Et là, c'est couvert de succès. Vous êtes guidé, protégé pour cette nouvelle voie, cette nouvelle vie. Un nouveau livre. Peut-être vous allez commencer à faire de la peinture, de la musique. Mais toutes les idées qui viennent, mettez-les en avant. Exploitez tout ce qui arrive. Mais là, nouvelle vie. On vous dit bien, libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous de vos entraves. C'est vous qui créez vos chaînes et vos blocages. Donc, arrêtez de vous inquiéter.
Laissez venir la suite. Devenez vous-même. Enlevez ce masque de faux semblant que vous aviez pour l'ancienne vie. Maintenant, montrez qui vous êtes vraiment et occupez-vous de vous-même. Et en vous occupant de vous-même, vous attirez à vous les bonnes personnes. Libérez-vous des peurs de dire « Ouais, mais un nouveau projet, c'est pas possible. Ils sont déjà nombreux dans le marché de l'emploi à ce niveau-là. C'est pas possible. » Non, même ça, on n'y pense pas. Si vous êtes venu sur Terre pour une chose, il y aura votre place à vous. Alors, là, c'est vous qui vous mettez en ermite. Pour certains, c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous et vous vous dites « Non, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Je crois pas que cette vie, elle est pour moi. » Et pourtant, on vous dit « Si ». Arrêtez de faire de l'auto-sabotage et laissez cette nouvelle vie venir à vous. Allez vers les nouvelles personnes que l'univers met sur votre chemin. Utilisez les réseaux sociaux pour mettre en avant votre nouveau projet. Exploitez vos compétences en allant sur YouTube, sur Google, en tapant un mot-clé par rapport au sujet qui vous intéresse pour approfondir vos connaissances. Mais tout est là pour vous, le open bar. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme outil. On vous l'offre pour cette nouvelle vie. Donc, il y a bien encore cette nouvelle rencontre. Elle revient à la carte. Si je ne me trompe pas, vous l'avez eue. Nouvelle rencontre, quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui va vous aiguiller, quelqu'un avec de la sagesse. Vous voyez, cette grosse pièce en or, c'est quelqu'un qui a des valeurs, des principes. Ça peut être un nouvel ami, ça peut être un nouvel amoureux, ça peut être un nouveau partenaire de travail. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va vous aider en tout cas. Et donc, restez toujours honnête avec vous-même. Arrêtez de vous mentir et de vous saboter les choses en bloquant, en étant « mais ouais, mais non, je comprends pas, mais moi je veux que ça aille vite, mais moi je veux ci, moi... » Non. Occupez-vous de vous pendant que l'univers s'occupe du reste. La carte, elle veut dire aussi peut-être possibilité de communiquer avec l'autre monde, hein, pour certains. Mais pour l'instant, c'est être honnête avec vous, honnête avec les autres, retirez votre masque pour être vraiment vous-même, lâchez toutes vos peurs, lâchez toutes vos attentes vis-à-vis de certaines choses pour que l'univers vous l'apporte sur votre plateau et que vous n'ayez plus qu'à vous régaler après. C'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Et là maintenant, je vais prendre les tarots des archanges et après, je vous laisse méditer à cette guidance. Hop, 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 je peux ranger parce que j'ai fini après. Hop, les fées, hop, hop. Voilà. Youp. Et maintenant, je vais faire celui-là, le tarot des archanges. Je vous montre le petit livret, la boîte, c'est ça. Et on dit, j'ai rien pris, voilà. C'est parti, je vais prendre trois cartes. Ah, je ferai ma nuque. Faut que je me dépêche là, dans 5 minutes, je dois chercher une petite cacahuète. Ah, Nacera, on se calme, ici et maintenant. Ici et maintenant. S'il vous plaît, pour les poissons, octobre 2019, qu'avez-vous d'autre à ajouter? On y va. Ah, elle glisse bien celle-là, j'adore. Tout seul, comme sur un toboggan, le toboggan de la vie. Je suis comme un enfant, je suis venue sur Terre pour m'éclater. Moi, je viens, je glisse, je ne m'agrippe pas aux côtés pour me dire « Non, mais je vais où, là, j'ai peur ?» Non, je lâche prise et je laisse venir les meilleurs. Hop, hop. Hop, 1, 2 et 3. Le chariot, vous foncez vers une nouvelle vie. Regardez un peu toutes ces lumières autour de vous. Vos guides, vos anges, les archanges, tous sont avec vous et vous emmènent vers votre nouvelle vie. Les deux chevaux, moi je dirais l'intérieur, l'extérieur de vous, que vous travaillez. Les changements à l'extérieur que vous apportez, les changements à l'intérieur que vous apportez. Vous êtes au galop, vous y allez, franchement, vous n'avez plus peur. Allez-y. Alors, soleil, encore le soleil. Le 9 plus 1, ça fait 10. 10, on enlève le 0, il reste plus que 1. Nouvelle vie, nouveau départ, nouveau commencement. Le soleil brille sur toutes vos intentions, sur tous vos rêves, sur tous vos désirs. Allez-y, allez-y, éclatez-vous. Et encore un cheval au galop, là, vous voyez, ils y vont franchement, ils ne se posent plus de questions, eux. Maintenant, ils se disent, je m'occupe de moi pendant que l'univers m'apporte la vie que je rêvais. Et là, 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort.
Donc ne restez pas seul, trouvez une personne avec qui partager peut-être ces petites peurs ou le fait que vous venez de quitter quelque chose de très perturbant pour vous, ça bouleverse votre vie. Du coup, quelqu'un qui va vous écouter, c'est sorti dans la carte, le monsieur qui est là pour vous épauler, vous aiguiller, vous écouter. Donc, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et la dernière, détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Tout est dit. Je peux rien rajouter. Tout est dit. Le soleil brille sur vos intentions. Laissez ces petites graines que vous avez semées, donnez-leur le temps de germer. Donnez-leur le temps de laisser les racines s'enfoncer pour solidifier ce projet et pour qu'après il soit bien ancré et solide. Voilà. Au revoir les poissons. Prenez bien soin de vous. Au revoir.